Bonjour à tous, on se retrouve pour notre nouvel épisode d'Une image vaut mille mots, notre format qui revient sur l'histoire des créations iconiques du monde de l'art et du design. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'un des plus grands photographes du XXe siècle, j'ai nommé Irving Penn. Cet artiste qui envisageait de devenir peintre était déçu de sa production et déchira toutes ses toiles. Sympa. Par chance, il croisera la route d'un autre artiste, Alexander Liberman, qui le poussera vers la photographie. Il s'avère que ce monsieur est également directeur artistique du magazine de mode Vogue et poussera Penn à prendre sa première photographie en couleur. Une nature morte qui fera la une du magazine. Par la suite, il réalisera d'innombrables photos pour le magazine, dont 165 feront la une, un record. Si Irving Penn est aujourd'hui très connu pour ses portraits, notamment ceux de célébrités parmi lesquels Pablo Picasso, dont l'un des portraits réalisés deviendra la deuxième une de Penn pour Vogue, mais aussi Kennedy, Francis Bacon, David Bowie, Miles Davis, Zaha Hadid, Alberto Giacometti, Robin Williams, ou bien évidemment sa femme Lisa Fonsagrive qui est considérée comme la première top modèle, et ça c'est stylé. Alors, nous allons seulement nous consacrer à une série produite entre 47 et 48. D'innombrables célébrités seront conviées à prendre place dans un dispositif spécifique propre à dévoiler l'âme des sujets. Ce décor a pour but de créer une gêne, un malaise, en les isolant, ce qui permet de créer un contexte bien différent de leurs habitudes d'icônes internationales. Voilà donc ce décor, un recoin étroit dont les sujets devront s'accommoder sous l'œil attentif du photographe qui shoote, en plus de cela, au grand angle. Parmi les photos, on retrouve Dali, Marcel Duchamp, Georgia O'Keeffe, Igor Stravinsky, Truman Capote, la Duchesse de Windsor et bien d'autres. Ici, pas d'éclairage, seulement la lumière naturelle du studio orientée vers le nord. Le style minimaliste qui en résulte sera en opposition totale au style de son époque. Les photographies sont prises légèrement plus bas que l'œil des modèles, ce qui renforce leur importance. Je trouve aussi que le décor guide le regard vers le sujet. Le fond étant moins éclairé, les sujets se détachent plus facilement. En plus de cela, il les isole également de tout contexte social, ce qui permet de laisser au sujet une certaine liberté, et l'absence de tout élément place les sujets dans une certaine intemporalité. Après un certain temps, une deuxième mise en scène verra le jour, composée de simples tapis posés sur des caisses en bois, avec lesquelles les sujets doivent là encore s'accorder. Se prêteront notamment au jeu Alfred Hitchcock, Edith Piaf ou Le Corbusier. Toutes ces images seront rendues possibles par un long temps préalable de discussion avec ces sujets, échanges qui se prolongeront durant chaque séance avant de trouver l'émotion qui faisait sens aux yeux de l'artiste. La série offrira ainsi des portraits saisissants, calmes et reconnaissables par leur incroyable sincérité qui happe inévitablement le regard du spectateur. En tant que photographe, le réalisme du monde réel est quelque chose de pratiquement insupportable pour moi. Il y a trop de douleurs accidentelles dedans. L'artiste poursuivra son travail de portraitiste en abandonnant ses installations pour se rapprocher des émotions véhiculées par ses sujets. Il se concentrera sur ces dernières et sur la manière de les mettre en lumière, abandonnant tout décor, influencé par les affiches de Toulouse-Lautrec. Évidemment, il y aurait encore de nombreuses choses à évoquer, car Penn a grandement influencé la photographie de mode, l'élevant au rang d'art, en travaillant notamment pour Christian Dior ou en collaborant étroitement avec Issey Miyake. Ne vous y méprenez pas, son œuvre dans la photographie documentaire, de nu ou de nature morte est tout aussi remarquable. Il faudrait aussi aborder son travail de tirage avec la technique du platine palladium ou sa recherche expérimentale. Bien qu'une grande partie de ses travaux résulte de commandes, Penn n'aura dans aucune série délaissé sa vision artistique. Je vous invite donc à découvrir ses séries sur les mégots de cigarettes et son travail de portrait ethnographique initié à Cusco en 1948. Ah si, dernière chose, je pose ça comme ça, son frère Arthur Penn est le réalisateur de Bonnie and Clyde. Je savais pas trop où placer ça, du coup bah... voilà. Bref, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais nous allons garder ça pour une autre fois. Comme d'habitude, nous vous avons préparé un petit dossier de recherche, pour que vous puissiez en apprendre plus sur Penn et ainsi devenir de vrais petits élucubrateurs. Vous retrouverez le lien en description de la vidéo. En attendant, pour nous soutenir, vous pouvez mettre un pouce sous la vidéo, la partager à vos amis esthètes et nous dire en commentaire quelle création vous aimeriez voir dans un des prochains épisodes. Et si vous souhaitez vous faire plaisir et soutenir la jeune création française, rendez-vous sur la Galerie des Curiosités. À bientôt !